Good morgen, allez, Yiden, l'étude aujourd'hui, il est le Lunishmat Moshe Ben Yaakov de Rabba Cohen. Si vous souhaitez, vous aussi, d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de débuter Maseret Megillah. Megillah nikret be achad asar, bishne masar, bishlosha asar, be arba asar, bachamisha asar, lo pachot velo yoter. Kerakin amokafin choma mimot Yoshua bin Nun, korin bachamisha asar. Kfarim bayerot gdolot, korin be arba asar. Ella, chaque farim, magdimim, le yom aknisa. Maseret Megillah, comme son nom l'indique presque, c'est la Megillah, Megillah Tesser, la Maseret qui va parler des lois de Purim. Et avec pour première Mishnah, premier sujet en fait du premier Perek, essentiellement, ça va être de définir les jours où l'on doit fêter Purim. Il y a quelque chose d'original dans Purim, c'est que la Megillah le précise explicitement même. Il y a deux Purim par an. Il y a Purim pour les gens normaux des villes, et le Purim pour les Yoshvim Barea Prazot, ceux qui sont dans les villes fortifiées. D'accord? De la Marloquette, est-ce que c'est les villes fortifiées depuis le temps de Yoshua bin Nun, ou les villes fortifiées qui datent de l'époque d'Achashverosh? Pour la Lacha, on tient que c'est les villes fortifiées depuis la conquête d'Ebné Israël, depuis l'époque de Yoshua. Du coup, il y a Shushan, et il y a les autres villes fortifiées d'Israël, en général, et même de tout le monde entier, en fait. Si on sait qu'il y a une ville qui était fortifiée depuis l'époque de Yeshua Binoun, avec certitude, alors dans ce cas-là, on fera Purim le 15 Adar, et tandis que le reste du monde fera le 14 Adar, même dans le doute, on fera le 14 Adar. Avec, malgré tout, une particularité, comme ce qu'on va voir tout de suite. D'abord, on commence à traduire, donc, Megillah Nikret Bachad Asar, la Megillah, Megillah Tesser, elle est lue le 11, Bishnem Asar le 12, Bishlosha Asar le 13, Be'arba Asar le 14, Bachamisha Asar ou le 15. Donc le 15 Adar. C'est-à-dire, Elo Pachot Velo Yoter, ni plus ni moins. C'est-à-dire, selon la configuration et toutes les prochaines Mishnah, elles vont parler, la prochaine Mishnah, on va expliquer plus dans les détails, mais pour le moment, j'arrête la généralité. Comme on a dit, Purim, ça tombe soit le 14 Adar pour les villes classiques, et le 15 Adar spécifiquement pour Shushan, Suze, et les villes qui étaient fortifiées depuis l'époque de Yoshua bin Nun. C'est 14 ou 15. Cependant, dans certaines configurations, pour certains villages, plutôt pour certains villages, alors ils ont la possibilité de lire la Megillah plus tôt. Et du coup, on va se retrouver avec une Megillah qui va être lue à partir du 11 Adar, 12 Adar, 13 Adar, en plus du 14 et du 15. D'accord? Et comment ça se présente la situation? Alors là, Michel nous explique. « Krakin amukafin choma mimoti Yoshua bin Nun » Les Krachim, les villes fortifiées, les grandes villes, Amukafin Choma, qui étaient entourées d'une muraille, Mimot Yoshua bin Nun, qui date depuis l'époque de Yoshua bin Nun, donc la Mishnah va, comme ça on tient pour la Halakha, qu'on va selon les villes qui étaient fortifiées depuis l'époque de Yoshua bin Nun, alors Korin Bachamisha Asar, alors ces villes-là liront le 15. Tandis que Kfarim, les villages, Vayarot Gdolot, et les grandes villes, les autres grandes villes, même les villes, quoi, les villes ou les villages, eh bien tous, Korin Be'arba Asar, ils iront le 14, sauf que, et là, sauf, chaque farim, que le petit village, Makdimin le Yom Aknissa, ils auront la possibilité d'avancer le Yom, au Yom Aknissa, au jour où ils vont entrer. C'est quoi de devancer au jour où ils vont entrer? Alors, c'est le jour, en fait, où ils viennent à la ville. On explique très succinctement l'idée, c'est que, en fait, il y avait dans les petits villages, on va expliquer ensuite c'est quoi, il y aura dans la prochaine vidéo, on va expliquer c'est quoi une ville, une grande ville, et c'est quoi un petit village, on va tout expliquer, mais il y a des petits villages où les gens, ils étaient plutôt amarets, ils n'avaient pas des grandes connaissances, même lire à la Torah, et ou lire à la Megillah, ils n'avaient pas des gens qui étaient aptes à le faire comme il faut, donc du coup, ils avaient cependant les petits villageois, alors c'est les campagnards qui amènent à manger dans les grandes villes, du coup, eux, ils viennent fréquemment, le lundi et le jeudi au moins, ils viennent à la ville parce que pour résoudre les problèmes différents d'argent, il y a les batédinim, ils sont toujours le lundi et le jeudi. Du coup, selon la règle, lorsque Purim va tomber un jour de la semaine, pas lundi ou jeudi, alors eux, on leur permettra d'avancer la lecture de la Megillah au lundi ou au jeudi qui précède. C'est-à-dire, Purim va tomber mercredi, on va leur dire, ben vous savez quoi? Puisque le lundi, donc Purim, ça va tomber mercredi. Mercredi, 14 Adar. Mardi, 13. Lundi, 11 Adar. Lundi, 12 Adar. On va leur dire, ben, vous savez quoi?
puisque de toute façon vous venez à la ville depuis le 12 Adar, le lundi 12 Adar, faites un petit détour à la synagogue, on va vous trouver quelqu'un qui va vous lire la Megillah, vous allez lire la Megillah là-bas, puisque de toute façon vous êtes déjà à la ville. D'accord? C'est le principe, donc du coup selon la configuration, et toute la prochaine Mishnah va longuement nous détailler selon tous les cas de figure possibles. Si ça va tomber le dimanche, Pourim va tomber le dimanche, donc dimanche 14, samedi 13, vendredi 12, jeudi 11, ils iront le 11 Adar. Et ainsi de suite. Par contre, si Pourim va tomber le lundi ou le jeudi, alors on va leur dire, ben, vous lisez à la date fixée. D'accord? D'où c'est déduit maintenant qu'on a la possibilité d'avancer la date de la lecture de la Megillah selon le cas pour les villes. Alors c'est que la Torah, elle nous a dit, la Megillah plutôt, elle nous a dit, il y a un passage qui nous dit Bismanehem, je ne sais pas où ça rapporté, les Kemet et Mapurim, allez, Bismanehem, d'accomplir ces jours de Pourim, Bismanehem, dans leur temps. Et du coup, on fait par juxtaposition, autant que la Megillah en tant que classique, on peut la lire le 14 ou le 15 selon le cas, donc on a deux jours de possibilité. Sans compter que c'est évident qu'on peut, là, comme ça, là, c'est de lui, la Gemara, c'est évident qu'on peut aussi l'avancer le 13 selon le cas, mais en tout cas, parce que le 13, c'est aussi le jour qui vient rôle de Pourim. C'est le jour du jeûne d'Esther, donc c'est le jour où tout le monde... Donc c'est possible d'avancer le 13, et sur ça tu rajoutes deux jours, ça va faire depuis les deux jours d'avant, on se retrouve avec le 12 et le 11 Adar. D'accord? Prochaine Mishnah, Bezrat Hashem, ce sera d'expliciter maintenant tous les cas de figure, comme ce qu'on a dit, Bezrat Hashem. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.